Hey, yo tout le monde, c'est Cardio, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec les Canadiens de Montréal. Et on se retrouve en deuxième ronde des séries face aux Bruins de Boston. Et Malcolm Subban, qui est 94 overall, tabarnak, boosté. Fait qu'on va simuler le prochain premier match à Montréal. Défaite de 4 à 2. Ouais, on sait que ce sera pas facile, mais bon, on va tout. Simulation du match. Victoire de 4 à 1. Fait que la série est égale 1 à 1. C'est cool. Troisième match. À Boston. Les fans de Boston ont vu une grosse défaite de 6 à 2, puis nous, on a vu une grosse victoire de 6 à 2. Quatrième match, série 2 à 1. Ce match le plus important va déterminer si c'est 3-1 ou 2-2. Let's go! 4-2. On en s'en va à Montréal. La série est 3 à 1 pour nous. Est-ce qu'on va être capable d'en terminer maintenant? En 5 petits matchs. Au revoir. Boum! 3-2. 3-2. Éliminer les Bruins en 5 petits matchs. Aïe aïe. Sérieux, je pensais pas. Ouf. Ça doit faire mal à l'orgueil, hein. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Ah ouais, puis tu vois, on a déjà fini avec. En 1 aussi. Ben, c'est des séries qui vont assez vite. Avec Pittsburgh a gagné en 5 contre Islanders. Montreal a gagné en 5 contre Boston. Anaheim a gagné en 5 contre les Flames. Chicago a gagné. Ils ont pas. Non, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Ouf. On va s'aimer pour voir qui va gagner la série. Si c'est Chicago ou Minnesota. Oh, c'est pas encore fini, fait qu'ils ont mis une photo, ils ont gagné. D'après moi, c'est le match à soir. Ouais, c'était le match à soir. Modifié. Ouais, ici, ici, ici. On va jouer contre les Penguins de Pittsburgh. Ah, c'est une tabarnak de grosse série. Bon, fait que qui a passé selon vous? Moi je dis que Minnesota a passé. Oh non, c'est Chicago. J'ai quand même été en 7 matchs. Fait que du côté de la finale de l'Ouest, on y retrouve Chicago en 9. Même que dans la vraie vie maintenant, c'est ça qu'on retrouve. Puis du côté de l'Est, Montreal versus Pittsburgh. C'est tellement pas ça dans la vraie vie là. C'est dans la vraie vie, c'est Rangers contre Tampa Bay. C'est tellement loin d'être ça. Bon, fait que on va aller voir le stats de mes joueurs. 14 points pour Galchenyuk, 13 pour Patriotti, puis 12 pour Kessel. Ouais. Amène l'allure. Puis pour Price. Ah, Price, c'est genre des stats de fou là. Ah oui, 1.5. Tabarnak. Fait qu'on va aller voir Pittsburgh. Leur gardien 8 et 1. Moyenne de 1.9. Et si ça va jouer devant le filet. Ouf. Une grosse série ça. 1 point. Pour Malkin. Au Tabern. Oh boy boy. Hey boy. Ça va être tough ça. Price, il va faire la différence, je suis. Ils ont deux gros centres là. Ouf, ouf, ouf. 80... Ah, juste 92 points, puis 76.
Ouais, Galchenyuk qui est quand même meilleur, on peut dire. On va aller voir les stats des équipes. Stats d'équipe. Ouais. Ok, ouais, c'est ça, la main. Ceux qui marquent le plus de buts par match. Pittsburgh et Montréal. Celui qui en accorde le moins, c'est nous. Et ça va être un tabarnak de grosse série, ça. Power play. Oh, on est pas mal égal. Puis en désavantage, on est devant eux. Le dernier match, 8-1, 8-2. If. Ça va être tough, ça. Donc on va arrêter la vidéo là pour la troisième round à la prochaine épisode. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Alors préparez-vous pour le duel Pittsburgh-Montréal. Merci et à la prochaine.